Bonjour, je m'appelle Mathilde Tressac et je travaille chez Berger Levrault en tant que chef de marché. Bonjour, je suis Annelise Taillac, je suis chef de produit chez Berger Levrault au pôle gamme de gestion. Mes missions, c'est de gérer la mise sur le marché des offres reliées au logiciel Iceditarra chez BLRH, donc définir le mix produit, les prix, le positionnement, comment on communique autour de cette offre. Alors, je suis responsable de l'offre BL Certificat et j'assure la relation avec les prestataires externes. Je coordonne aussi les actions autour de la gamme e-Magnus et dématérialisation pour les petites et moyennes collectivités. Mon parcours, il se divise en deux étapes. Donc, la première, je suis arrivée en remplacement congé parental dans le service marketing client. Et puis après, à la fin de ma mission, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe qui travaille au marketing sur les produits BLRH et Iceditarach. Donc voilà, j'ai endossé cette casquette de chef de marché. Et ça fait maintenant 1 an que j'y travaille. Alors, je suis arrivée chez Berger Levrault il y a déjà plus de 2 décennies. Je suis arrivée pour un premier job au service commercial. J'ai ensuite participé à une business unit comme conseillère spécialisée. Puis, j'ai saisi l'opportunité d'un poste de consultante avant-vente et maintenant le marketing produit. D'avoir l'opportunité de travailler sur plein de beaux projets qui soient à la fois synonymes d'innovation pour le client, mais surtout qui répondent à leurs besoins pour les satisfaire. On peut me souhaiter de participer à de beaux projets, de vivre plein de belles aventures au sein de Berger Levrault avec des équipes dynamiques et toujours de la confiance, du partage et des échanges d'idées. Pour moi, c'est le travail en équipe, puisque la mise sur le marché des offres, elle se fait en coordination avec l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le projet, et qui chacun amène leur expertise. Alors, chef de produit, c'est un métier où on peut faire les deux, effectivement, mais ce serait en équipe parce que j'aime me nourrir des échanges et je sais que c'est avec les autres aussi que je peux avancer beaucoup plus loin.